L'importance des masques sous substance est capitale puisque c'est grâce à ça que tu vas pouvoir créer des effets. Par exemple, donc si je démarre à créer un objet, je vais donc déjà commencer par créer un fil, modifier ma couleur. Donc on démarre quasiment systématiquement de la même façon, sauf si tu as déjà quelque chose que tu souhaites reprendre. Donc, mettons que je fasse un noir un petit peu brillant. Si à ce moment-là, je ne souhaite avoir cette texture noire mate qu'à certains endroits très précis de mon objet, bah, il va falloir que j'isole l'objet et que je ne vienne peindre que là où ça m'arrange. Donc pour l'isoler, il va falloir que je fasse un clic droit, Add Black Mask. Donc là, pour le coup, Black et White Mask, c'est un peu à toi de choisir, puisque de toute façon, alors à part pour les alphas, qui sont en blanc sur fond noir, donc forcément il faudra avoir un black mask. Sinon, si tu mets un white mask, il faudra juste que tu changes la couleur de peinture de ton mesh, c'est tout. C'est logique, c'est-à-dire que si tu as un black mask et que là je viens ajouter un paint, si je peins en blanc sur du noir, bah forcément ça va apparaître, mais si je peins en noir sur le noir, bah ça va effacer ce que j'aurais déjà fait. Ça fera une sorte d'effet gomme. On peut mettre directement des alphas sur un black mask, alors que si on avait pris un white mask, on n'aurait pas pu, puisque les alphas sont déjà en blanc. Lorsque j'ai mon black mask, j'ai donc la possibilité de mettre tout ce que je veux. Un générateur, un add paint, un add fill, un add level, etc. Sachant que les filtres, ça va être un peu plus comme du Photoshop, c'est-à-dire que ça va être tout ce qui est couleur balance, contraste, saturation, etc. Le level, ça va être pour booster un petit peu. Pour rebooster un effet qui aurait été un petit peu trop faiblard. Le fill, c'est pour remplir carrément une partie. Le paint, c'est pour donc peindre. Donc on peut prendre soit avec des brushes, soit avec des alphas. Et le générateur, donc ça va dépendre de ce que tu choisis, mais tu vas pouvoir mettre des effets directement sur ton objet. Donc c'est des effets qui vont dépendre des maps que tu auras baquées.